Alors bonjour, je m'appelle Marion Champandal, j'ai 32 ans. Mon mari et moi, on vient de la France et ça fait exactement 9 mois qu'on est établi au Québec et plus précisément à Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors je suis conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières MRC des Chenaux. Donc j'accompagne des jeunes de 16 à 35 ans dans leurs projets professionnels. Alors moi je suis une artiste. Alors j'aime tout ce qui touche aux arts en général, donc la musique, la danse, le chant. J'aime aussi les animaux, mais aussi beaucoup passer du temps avec ma famille, avec mes amis, passer du bon temps. Alors j'en ai plusieurs, des enjeux qui me tiennent à cœur. Je dirais que les principaux, comme les animaux c'est ma passion, bien sûr la cause animale ça me touche particulièrement. Aussi tout ce qui touche à ma consommation, donc je fais très attention à la consommation, au cycle court, à manger local. J'essaye de favoriser les producteurs locaux, d'ailleurs à Mont-Carmel ici on a quelques producteurs qui sont super. Dernier enjeu, c'est vraiment tout ce qui touche à la jeunesse. Moi, j'ai beaucoup à cœur les jeunes, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce métier de conseillère en emploi. Et puis, c'est pour ça aussi que je suis impliquée en tant que bénévole à la Villa du Carmel, donc qui est un camp de vacances pour les jeunes de 6 à 17 ans. Alors pour moi, cet endroit, il est très particulier parce que avant de m'établir ici au Québec, je suis déjà venue habiter ici quand j'étais plus jeune pour faire mes études. C'est ici que j'ai été accueillie pendant mes études, chez Doumé Pierrot. Il se trouve que Doumé Pierrot sont membres fondateurs du camp La Villa du Carmel qui se retrouve juste derrière moi. C'est un camp où j'ai passé tous mes étés pendant que j'étudiais ici. Donc c'est vraiment un lieu qui a une résonance pour moi qui est très important. Premièrement, ça fait un écho avec mon passé. C'est un endroit où j'y suis très attachée, mais aussi parce que Mont-Carmel, c'est vraiment une municipalité en plein développement où il y a beaucoup d'opportunités à offrir pour des jeunes familles. C'est très bien situé entre Trois-Rivières, Shawinigan, c'est pas très loin de Montréal. En même temps, c'est très arboré, ça reste la nature. Donc moi, j'aime beaucoup faire des activités extérieures et je trouve que c'est vraiment c'est très complet comme lieu. Et pour justement s'établir, je trouve que c'est parfait. Ce dont je suis le plus fière, je pense, c'est vraiment donc plus l'aspect professionnel, c'est d'avoir trouvé un travail aussi stimulant, aussi intéressant, aussi enrichissant humainement. C'est vrai que j'attendais un peu cette opportunité depuis un moment et j'ai trouvé qu'au Carrefour Jeunesse Emploi, il y avait vraiment tous les aspects qui me conviennent. Les collègues, c'est une vraie famille, les valeurs de l'organisme collent totalement aux miennes. Et en plus, on travaille avec la jeunesse, donc c'est vraiment complet. Et je dirais que c'est une belle fierté. Notre objectif avec Marie, c'est de pouvoir s'établir définitivement. Donc pouvoir investir, s'établir avec une maison, pouvoir continuer l'aventure avec le Carrefour Jeunesse Emploi, continuer à s'épanouir professionnellement. J'attends un bébé aussi, donc de s'établir en famille ici à Mont-Carmel. Et puis pourquoi pas avoir la résidence permanente, la citoyenneté, pourquoi pas, ce serait un rêve. Si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment d'abord comprendre la culture québécoise. C'est vrai qu'entre la France et le Québec, c'est des cultures qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont quand même certaines différences qui sont importantes à prendre en compte pour bien s'intégrer. Et puis, deuxième chose, un conseil important, c'est de ne pas forcément vouloir chercher ici ce qu'on a chez nous, puisque c'est un pays différent, avec une histoire différente, un patrimoine différent. Donc c'est vraiment d'abord comprendre
avant de vouloir changer, c'est d'abord de comprendre.